35 minutes quand même l'épisode précédent. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Azupik, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve pour un nouvel épisode de Don't Starve. Peut-être le dernier, mais peut-être pas du tout. On verra, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, est-ce que j'ai encore un marteau quelque part ou il a complètement brûlé? Je crois qu'il a brûlé. On va pas en faire, hein, c'est pas urgent. Mon sac est fermé. On va aller peler des choses par là-bas, ma température 35. Je vais la faire diminuer encore un petit peu. On va aller peler, il me faut du blé, il me faut à tout prix du blé. Non, on va peut-être aller ici pour ramasser le blé. Température, c'est bon, 35 stable. Il est là mon casque, je vais le prendre. Au cas où on se retrouve dans la merde comme l'épisode précédent. On va peut-être mettre mon chrono cette fois. Là. Alors, du blé, il nous faut masse de blé pour pouvoir nous faire je sais plus quoi. Et nous faire un truc. Ah oui, des pièges. Ah, ça c'est très bien, ça va, même il. 8 PV. Bon, c'est bien. Température 46, c'est encore bon. Allez, il faut encore du blé. Il y a des bébés, ils ont le cul rouge ou non? Non. Ce serait con de se faire buter par des mammouths après tout ce qu'on a traversé quand même. 52, ça va, on est encore large. Ah ouais, d'accord, donc effectivement, ils meurent de chaud. Ah ouais, elles sont fanées. Est-ce que j'ai de quoi me faire un piège? Ah oui, il me faut des sticks aussi, c'est vrai. Je vais monter un petit peu ma sanity. Mais j'ai 70 de bouffe, c'est la grosse daube. Hein. C'est la grosse daube. J'ai quoi à bouffer sur moi? Rien. Oui, j'ai un lucky machin. Je vais mettre une petite bûche là-dedans. Je vais faire cuire ça. Ça me rend 25 de bouffe. Bon, ça va me faire survivre un petit moment. Allez, on diminue la température. Et on y va dans le trou numéro 3. Je vais prendre ma pelle aussi. Ne serait-ce que pour pouvoir alimenter le feu avec ces trucs. 43 de... température, ça va. Est-ce que j'ai pas des petits sticks par ici? Là, il y en a. Je vais aller en récupérer et on va mettre des pièges à lapins. Parce que c'est ma seule ressource de bouffe viable pour le moment. Bon, dans tous les cas, au moins, la prochaine fois qu'on a un été, donc peut-être cette saison, peut-être pas, hein, peut-être qu'on va mourir. Prochaine fois qu'on a un été, on sait, il faut faire un feu endémique. Endothermique. Je vais y arriver. Endothermique avant l'été, bien évidemment. 55 de température, il va falloir que je rentre à la maison. Faut que tu me fasses des pièges, mon ami. Il n'y en a plus ici. Ah, les taupes aussi, on peut les buter, mais je sais plus comment on les chope. Par contre, 63 de température, on va y aller. Alors, on m'avait dit que c'était hardcore l'été. Bah putain, c'est hardcore! Bordel, c'est chaud! Oui, en parlant de c'est chaud, hein. 66, allez, numéro 2. On fait encore allumer, oui. On met ça là-dedans. Merci. Ah, et tous mes arbres à baies, ils ont cramé! Putain de merde, j'avais pas tilté, mais tous mes arbres à baies ont cramé! Mais c'est la merde! Mais c'est la merde, les gens! J'aurais plus à bouffer pour l'hiver, du coup. Même ma ressource a cramé. Bon, j'ai encore des arbres à baies ici. J'en ai là aussi. Et on n'a pas exploré toute la map. Hein. Ici, on a une grande zone pas explorée. Bon, ça va. Ça va le faire, mais c'est quand même hardcore. Alors qu'on fasse un truc anti-prendre feu. Ah oui, et là, la nuit, le crépuscule est très très court. Je vais pas dormir parce que j'ai pas de bouffe. Je pourrais faire une sardacane. Et pour ça, il me faut du blé, des plumes, machin. Le problème, c'est que sarbacane, c'est pour choper. Avec un peu de chance, les oiseaux vont s'endormir. S'ils s'endorment, ça me donnera à bouffer ici. Ouais, lui se tire. Endormez-vous, s'il vous plaît. Si la nuit tombe. Elle tombe la nuit. Merde. Voilà, la nuit est tombée. Bon, bah écoutez, on va manger de la graine. Hein. Je ne mange pas de graines! Et ça, on va mettre là. Ma température, elle est là ou plus bas. Voilà.
a 91 de bouffe, c'est la merde. Je pourrais essayer de buter ça, mais le problème c'est que j'ai 12 PV. Buter des mammouths. Qu'est-ce qu'on a comme ressource de bouffe sinon? Je réfléchis un peu, voyons voir. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose. Il va falloir vraiment qu'on se fasse des pièges à lapins. Il y a plein de trous de lapins ici, donc on va pouvoir faire de la chasse aux lapins. Ouais. Du miel éventuellement, mais le problème c'est que les abeilles vont nous attaquer, on va se prendre des dégâts. La seule source de bouffe fiable apparemment en été pour le moment, c'est le lapinou. Donc c'est la grosse merde. Combien de temps il nous reste à survivre? 8 jours, on est à la moitié de l'été. On a fait le plus dur. On a fait la moitié de l'été, donc là par contre on est à la température la plus chaude. Ça va être chaud, par contre j'ai bientôt plus de chapeau de paille. Et sans chapeau de paille c'est tout de suite la mort. C'est chiant, c'est du blé bordel, c'est chiant. Et c'était quoi qui m'empêchait de prendre feu? C'est pas le thermomètre. Casse-toi la main. Aversomètre, paratonnerre, witchfinder. Casse-toi la main. Transistor, baguette de sorcier, thermomètre, aversomètre, poudre à canon, paratonnerre. Dispositif anti-incendie, protège les plantes et enceint et éteint les flammes. C'est ça, mais il me faut 15 de glace. Bon, ça on en trouvera pendant l'été, pendant l'hiver. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ma température qui rebaisse. C'est la baise. C'est la baiserie. Allez, le jour. Pas beaucoup de bouffe, hein. Ça va être tendu. Le jour. Donc là, il me faut des sticks. Donc on va descendre récupérer le plus de sticks possible. Ça, ça drop de la bouffe. Je me suis renseigné là-dessus aussi. Ça drop de la bouffe, mais c'est dangereux. Ouais, alors tous ceux-là, ils sont foutus. Là. On l'a un. Là, du blé. Le blé, on va ramasser, évidemment. Hein. Évidemment. Mais là, le plus urgent, c'est... Les petites brindilles. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elles ont toutes cramé. Cramé. Il y a tout cramé ici. Tout est mort. Température 51, ça va, j'ai encore de la marge. J'ai ramassé les graines, hein, parce que bon. Voilà. Les champis aussi, tant qu'on y est. Je crois que ça peut me donner de la bouffe. Contre de la vie, je crois. Je vais manger ça. Une carotte! Ma vie est sauve. Je vais déposer la rotte, j'en fous. Des carottes. Ouais, champignon rouge. Ah ouais, non, mais moins 20 de vie, ça me bute en fait. Non. Mais je peux le mettre par contre dans le croque-pot et je peux faire des recettes avec. Oh merde, j'avais pas vu. Vite, le camp. 67, 68, 69, c'est bon. C'est bon. Limite. On peut se faire un piège. Nous avons un piège à lapin. C'est peu. Très bien, c'est peu. Ça, on va faire en sorte qu'il soit toujours allumé, donc hop. J'ai ma pelle, j'ai de quoi en refaire une? Non. Ah non, il manque des brindilles encore. Qui aurait pensé que c'était les brindilles qui me manqueraient le plus? Allez, on va aller poser le piège à lapin et je vais vous montrer, si j'y arrive, si ça marche pas à tous les coups, comment on chasse le lapinou. Alors, nous avons donc ici un lapin. On va le laisser s'éloigner un peu. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ton fou. Parce qu'on a là un lapin dehors. Le lapin est pas dehors. Je trouve, voilà, un lapin dehors. Où est son trou à lui? Il est là. Donc je me mets là. Je pose le piège. Et maintenant, je fais le tour. Il a pignou. Non, fais pas le tour. Et normalement, et ça ne marche pas à tous les coups, je vous l'ai dit. Hein. Lui, il est où son trou? Il est là. Ils ont le cul rouge ou j'ai rêvé? Ça les piège. Non, attendez, il faut pas le mettre trop proche du trou à lapin. Non, vas-y, éloigne-toi, ouais. On va le mettre là. Et maintenant. Voilà. Et voilà. Nous avons un lapin. Merde, j'ai chaud. Merde, il fait chaud. Oh, il fait trop chaud. Oh, il y a chaud.
chaud. 68. 69. Ça y est, on prend les dégâts. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Bah on est de nouveau à un PV. Superbe. Magnifique. Allez, bute le lapin. Ça me donne quoi ? Meatballs ? Meatballs. Un PV. Fuck my life. Peut-être le dernier épisode, hein. Peut-être le dernier épisode. On a encore un revive. On a encore un revive. Mais il est loin. Et si on meurt, eh ben c'est quand même la merde. Quoi qu'il se passe, c'est la merde. Allez, mange ça tout de suite. On a 4 PV. Ouais. Allez, 36 de température. Il me faut plus de lapin. Il me faut plus de lapin. Je surveille toujours ma température. J'ai encore mon chapeau. 2% de chapeau. 2% de chapeau. Il faut que je ramasse du blé. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Du blé, plus important encore que la bouffe. Un de blé. Non de blé. J'ai posé mon piège, je l'ai pas repris avec. Merde. Allez, vu sur la quantité de blé qu'il y a ici, il y a un de blé. 1% de Chapelino. Capellino. Non. Oh putain, il y a un truc qui a poussé ici. Il y a pas un putain de blé, quoi. Parce qu'il m'en manque un. Voilà, j'ai plus de chapeau, et là du coup la température augmente très très vite. Mais alors, mais très très vite. Et ça c'est la grosse merde. C'est la grosse merde. Va falloir que je cours ici. Il va faire nuit, je vais prendre mon chapeau de mineur et je vais y aller de nuit. Je pense que ça augmente quand même moins vite la nuit. Là c'est con, en hiver c'est toujours la bouffe qui nous manque. Là ce qui nous manque, ce sont les... Bon, la bouffe aussi, évidemment, parce que j'ai fait le con. Mais c'est surtout les ressources de base qui nous manquent, et ça, ça pue la merde. Température 37, allez. 9, 40, 41, c'est 1 par seconde. Un blé. Ah, on a un pigtail ici, mais ça, c'est plus tard. 50. Oh, je vais crever, hein. Un blé. Oh putain. Oh putain de merde. Oh. On est tellement borderline, tellement à la limite, ça. C'est tellement tendu. On a deux pigtails. Avec les pigtails, on pouvait faire des trucs, non? Des trucs pour la température. Ouais, je sais. Tiens, mets ça. Baisse la température et je vais aller me balader avec mon casque de mineur et je vais aller récolter les pousses de ces machins. Pour la simple et bonne raison que... Attendez, juste vérifier, est-ce qu'ils sont pas plus proches ici? Oui, ils sont un petit peu plus proches. Simplement parce que là, j'ai plus de combustible en fait. Pour mon feu, à part de la bouse. Ce qui est pas folichon. Merde, moins 10 de sanity. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut manger? Rien. Sanity moins 10, ouais, ça c'est de la merde. En température 34. Go! Là. J'ai pas de pelle, imbécile. J'ai un œuf, voilà ce que je peux bouffer. L'œuf, je peux le bouffer. Là, il y a un petit arbuste. Y'a rien là à bouffer sinon. Là, il y en a tout plein. Température 35, ça va, je suis large. Là en bas. Alors, par contre, la moitié sont crevés. Mais j'ai une pelle! Qu'est-ce qu'il raconte? Des patates! Une taupe, on a eu du bol. On a eu du bol, c'est pas facile à choper les taupes. Voilà, on a plus de pelle maintenant. Mais on avait une pelle. On a des arbustes. 42 de température, ça monte pas très vite. Ma lampe, 50%, ça va, on est large. Ah yes, il y en a plein. Il y en a plein. Il faudrait faire un deuxième piège à lapin, ça va pas être très utile en soi.
Je peux me faire une pelle. Ça, c'est toujours un peu de manger. ...48 de température, par contre il va faire jour donc on va rentrer. Tiens, non je l'ai vu cette route. Allez on rentre. Une taupe, est-ce que je peux la choper? Non, celle-là, elle sort pas. Sortez les taupes, please. Non, bon, pas de taupe. Et si pas de taupe, bah pas de taupe. Bon, on a un truc à bouffer. J'explore un peu. Non, je suis à 60, donc on va rentrer parce que de toute façon j'ai 4 PV, donc c'est la merde. Si jamais je brûle. Allez, 62, 63, 64. Allez, ça va être limite, hein. Utilise le numéro 2. C'est bon. On met ça dans le feu. Ça diminue plus vite. Oh non, tout a cramé, putain de merde, même les oiseaux ils vont craver, ils crament. Alors, mettre un truc dans ce feu là. Merde, il s'envolait, si je l'avais laissé il aurait cuit. 35 de bouffe, ça je prends, merci. Du coup j'ai même plus de croque-pot. Oh non, et les deuxièmes ont cramé. Oh non, ça me saoule. Oh, ça me saoule. Oh putain de merde, ça me saoule. Bon, écoutez, vous savez quoi? Puisqu'on n'a plus rien, on est à deux doigts de crever. Tout a cramé, c'est la merde. Et on n'a pas fini l'été. De toute façon, on va crever parce qu'on n'a pas de PV. Ce que je vous propose, et j'en suis désolé, hein, mais ce que je vous propose, on va s'équiper de ça. On va avoir la température qui va baisser au max et on va aller explorer la cave. On va aller voir ce qu'il y a dedans. On va probablement crever. Si on crève, je vous promets, on se refait une autre saison. Et cette fois-ci, comme on a appris de nos erreurs, eh bien, on va survivre correctement. Donc ma température, elle remonte là. Elle remonte. On y va. J'enlève mon armure. Et on va aller explorer, tout simplement, les caves. Voir ce qu'il y a, parce que je n'ai jamais vu les caves. Voir si on peut survivre. J'ai mon casque de mineur, parce que de ce que j'en ai lu, c'est que il fait nuit en permanence, donc j'ai mon casque de mineur pour explorer un petit moment. Avec un peu de chance, on va réussir à survivre, hein. Il y a peut-être de la bouffe à l'infini, il y a peut-être... Je ne sais pas, parce que je ne connais pas, tout simplement. Donc, on verra bien. C'est là, on y est presque. Ce qui est chiant, ce qui est très dommage, c'est que cette map était excellente. C'était une excellente map. Allez, activez gouffre. Bien le bonjour. Bienvenue dans les caves. Sculptage des grottes. Altercation au sujet nourriture. Génération des araignées. Agrandissement de la théorie du jeu. Insinuation des monstres. Répétition des pins. Encadrement des gitans. Non, c'était pas les gitans, je sais pas ce qui était écrit. C'est pas grave. Il fait très nuit. Non, ça n'a pas chargé. Vas-y, charge. Bonjour. Ah, vous le voyez, il fait extrêmement noir. Ah bah on a des brindilles déjà. Donc au cas où on a de quoi se faire une torche. Ou au pire si on a plus on a de quoi se faire une torche. Il y a des trucs qui donnent la lumière. Cueillir, est-ce que ça me donne des trucs qui font de la lumière ça? Qu'est-ce que c'est ça? On va peut-être pas attaquer hein, ça me paraît un peu gros. Et ça, ça se mange. Il 1. D'huile. Alors, ma température augmente quand même. Hein. Mais ça, c'est d'huile. Attaquer. Ah, ok, ça, il est sorti. Alors, par contre, le plan est en 3/4 de hauteur. C'est perturbant. Alors, on a apparemment différents biomes. Donc là, on est dans un biome lumineux. Ah, mais ça doit être l'équivalent du biome... Ah, papa, biome marais. C'est ça. C'est l'équivalent du biome marais. C'est méchant. C'est vénère. Ouais, d'ailleurs, là, on a vu, il y en a une. Allez, on se heal. Par contre, la sanity diminue. Pourquoi la sanity diminue? À cause du noir? Ou parce que c'est le marais qui est méchant? Je ne sais pas. Eh, les mecs, on est dans les grottes. Oui, mais il y a des arbres à baies aussi. Bon, là, c'est l'été, donc ils sont cramés.
La température augmente quand même. J'ai de quoi me faire un feu endémique ? Non. Endothermique. Ok, donc là je suis retour au spawn. Donc il y a des arbres à baies, donc on peut se nourrir. Le seul truc emmerdant, c'est que il fait nuit en permanence. Ça m'emmerde un peu. C'est pour ça que je ne vais pas dans les grottes plus tôt aussi. Ouais, oh, parce qu'il paraît que c'est très dur, donc je sais pas, mais... Ok, donc là on est au bout. Par contre, c'est le gouffre, hein. C'est le gouffre. Et j'ai très très chaud. Je vais crever très très bientôt. On va explorer le plus... Ah, il y a un autre trou ici. Je peux monter ? Non, je peux pas monter. C'est juste une source de lumière, ok. La température monte très très peu, très très lentement, pardon. Ah, c'est juste des trous de lumière. Qui justifie en fait où il y a des forêts en fait. Il y a des arbres parce qu'il y a de la lumière. C'est bien pensé. Là on est au bout du biome. Ma torche est bientôt... Enfin mon casque de mineur est bientôt mort. On peut trouver des trucs sympas avant de crever. Miné. C'est quoi? C'est du caillou? Ok, c'est du caillou. Et ça c'est quoi? C'est des gros trucs de charbon? Ou c'est de l'or? Y'a quoi? Non, c'est des cailloux normaux. 66 de température, je vais pas tarder à crever. Hein. Je vous préviens, on met fin à notre saison là, parce que ça m'emmerde en fait, c'est tout qui a cramé. Il faut tout refaire une 3 ou 4ème fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça donne quoi ça? Ok, pareil. On n'a pas vu de monstre inconnu, hein. Ah si, on a vu les monstres inconnus, attaquez. Oh putain, ça a 1600 PV. Ok, on va peut-être pas attaquer en fait. Et ma ah non merde, j'allais dire ma température ne monte plus, mais non. Et là, c'est la mort qui a assassiné la vie. Je sais qu'on a encore un de respawn, hein, les gens. Là, c'est la mort. Voilà, et en plus il fait sombre. Voilà, c'est la mort. On respawn, mais je pense que... Ah bah non, je l'avais même pas réactivé. Ok, il faut que je réactive derrière. Et je débloque des persos. Sympa, sympa, sympa. Maximum atteint. Bah écoutez, fin de la saison. On a quoi, une dizaine d'épisodes, je pense, à peu près. J'espère qu'elle vous a plu. Promis, on en recommence une très bientôt. Je vais pas la tourner tout de suite. Mais d'ici quelques jours. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Pouce vert, commentaire, si c'est le cas. Dites-moi si vous en voulez une autre. Et à la prochaine. C'était As2. Ciao, ciao. Allez.